j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez un petit peu perdu et que vous ne savez pas trop comment vous allez affronter l'avenir, n'hésitez pas à faire des formations et puis faites un peu confiance peut-être à vos conseillers Cap Emploi si vous êtes dirigé vers eux. Et puis normalement, il n'y a pas de raison que ça ne se déclenche pas à un moment ou à un autre. Pour conclure cet entretien, eh bien, je dirais le premier déclic dans ce parcours, cette arrivée chaotique dans la région paralimoniale, c'est la rencontre avec une conseillère à Cap Emploi qui m'a vraiment remis dans le chemin en me disant ce qu'il fallait faire. Donc le bilan de compétences, comme on a dit. Et puis surtout aussi la remise à niveau au Greta, du coup, parce que bon, il fallait cette remise à niveau informatique pour me remettre en confiance et pouvoir vous parler aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Il manque une lampe pour éclairer de l'autre côté. Là, ça fait un an. Oh, c'est beau. Oh, ce poète. Oh, c'est un patron qui a... Il n'y a pas une lampe dans les bureaux. Oh. Elle est énorme. Bon, mais en fait...